sommes à Québec, aux limites de Saint-Roch et Saint-Sauveur, au bout du boulevard Langelier, un boulevard qui a été dessiné à l'origine par Samuel de Champlain. Nous avons ici un mur d'enceinte derrière lequel le site est occupé depuis 400 ans, depuis 401 ans pour être plus précis, Notre-Dame-des-Anges. Nous sommes dans le jardin des Augustines du monastère de l'Hôpital Général, derrière les grands murs, dans le jardin qui se trouve derrière le monastère des Sœurs. Ce site est occupé, comme je le disais tout à l'heure, depuis 401 ans. D'abord, et avant que les récollets arrivent ici, il y avait les Innus qui fréquentaient le lieu, qui on était sur le bord de la rivière Saint-Charles. Les montagnais, qu'on appelait à l'époque, venaient ici pour pêcher sur le Saint-Laurent, et les familles se retrouvaient ici sur le bord de la Saint-Charles. C'est la raison pour laquelle Samuel de Champlain souhaitait que les récollets, donc les premiers missionnaires de la Nouvelle-France, viennent s'installer tout près ici pour construire leur premier couvent, la première église, pour être près donc des montagnais. Alors Samuel de Champlain indique l'endroit, les récollets commencent à construire en 1620. Donc 1620, les premières constructions. En 1629, les frères Kirk prennent la Nouvelle-France. Les récollets et puis tout le monde s'en vont, retournent donc dans leur pays. Mais les récollets ne reviennent que seulement en 1670, donc une quarantaine d'années plus tard, et se réinstallent au même endroit, reconstruisent leur installation, et donc couvent, église, et commencent à agrandir leur installation. Même le comte de Frontenac y installe lui-même un bâtiment. En 1692, le deuxième évêque de la Nouvelle-France, Monseigneur de Saint-Vallier, veut instaurer dans la Nouvelle-France, à Québec, donc un hôpital général, qui est un hôpital dédié aux soins des personnes âgées, à l'hébergement, aux personnes seules, aux personnes pauvres. Alors, quand Monseigneur de Saint-Vallier acquiert le site et demande aux Augustines, qui, elles, était déjà installé à l'Hôtel-Dieu, leur demande de fonder l'hôpital général. Alors, 1693, les sœurs arrivent ici, prennent la possession des lieux, et au fur et à mesure des siècles, disons-le, elles ont construit, aménagé un hôpital, un monastère, pour leurs propres besoins et le besoin donc des gens, des personnes âgées. Aujourd'hui, on retrouve sur le site le monastère, toujours occupé par les Augustines, et l'hôpital est devenu un CHSLD, donc qui appartient à l'État, qui est géré par le CIUS de la capitale nationale. Donc, les vocations d'origine depuis 1693 n'ont pas changé. On est dans un endroit qui n'a pas perdu sa vocation d'origine, ce qui en fait un lieu exceptionnel, un lieu qui est occupé depuis toute cette période. On en connaît très peu. Mais comme c'est un endroit qui était un peu à l'extérieur du Vieux-Québec, qui était à l'époque même de ses premières installations très loin de Québec, sur le plan, il y avait l'habitation de Champlain, puis les Récollets. Donc, ça a été longtemps ignoré du Vieux-Québec. C'est la ville, tranquillement, qui s'est approchée ici. Et que maintenant, c'est au cœur de la ville, mais à l'époque, on en était loin. Dans le cadre des rendez-vous d'histoire de Québec, on vous propose une conférence particulière, une conférence déambulatoire. On va entrer à l'intérieur du monastère. On va aller voir des lieux dans lesquels on n'accueille pas de visiteurs habituellement, parce que vous allez voir, c'est dans des endroits inaccessibles pour des groupes, mais qui nous la caméra et la manière de fonctionner aujourd'hui nous permet d'aller dans ces recoins, d'aller vous montrer donc des lieux inusités, des lieux qui aujourd'hui nous posent des questions. On cherche encore quelques mystères parce qu'on est dans un endroit qui a une si longue histoire qu'il y a des choses qu'on a encore à se demander quelles sont leurs origines. Et puis, quelques objets aussi inusités. Donc, une visite un peu de la face cachée du monastère de l'Hôpital Général de Québec. Nous entrons dans un lieu habité par 70 religieuses de 7 congrégations différentes, donc un espace privé. Nous sommes accueillis ici aujourd'hui de manière exceptionnelle. Alors, bienvenue. Nous sommes dans le réfectoire des Récollets. Donc, l'aile dans laquelle nous sommes a été construite en 1680 par les Récollets, qui a été ensuite utilisée par les Augustines depuis 1693 jusqu'à aujourd'hui. La petite cloche qu'on vient de sonner, c'est la cloche du réfectoire, donc,
est, selon la tradition, accroché au plafond depuis 1680. On n'a rien pour l'attester, on n'a rien non plus pour le contester, donc on y croit. Un réfectoire est un lieu important dans un couvent, dans un monastère. C'est vraiment, évidemment, l'endroit où la communauté se retrouve trois fois par jour pour le repas. Mais c'est dans toute communauté très ancienne, il y a des rites qui accompagnent les repas. Il y a des moments, en fait, c'est un moment privilégié de rencontre, mais qui se fait en silence, accompagné d'une personne qui va lire parfois les règles de la communauté, des textes des saints, des commentaires bibliques, et ça se fait sur la petite table qui est ici. Les Récollets, à l'époque, avaient organisé leur chœur, leur réfectoire, de façon à être assis le long des murs. C'est la raison pour laquelle on retrouve des traces qui nous permettent de comprendre à quelle hauteur étaient les bancs et de quelle manière aussi se vivait le rite du repas. Mais maintenant, aujourd'hui, les Augustines et les sœurs qui vivent ici sont installées autour de tables. C'est de façon un peu plus conviviale. Elles ont l'occasion aussi de pouvoir se parler. Donc, depuis le Concile Vatican II, les rites sont un peu allégés à ce niveau. On est dans un endroit donc, qui a été construit en 1680. Et dans un endroit exceptionnel parce que c'est le plus ancien intérieur conventuel d'Amérique, parce qu'on est dans un monastère qui n'a pas subi de grandes destructions, qui n'a pas subi d'incendie. Donc, ça veut dire que les boiseries que l'on voit, ce qu'on observe sur le plan donc, de plafond, les lambris, tout ça, ça date de cette époque. Maintenant, le lieu a agrandi, c'est ce qu'on va voir un peu comment les séquences se sont faites dans ce réfectoire. Alors, non seulement on est dans un endroit qui a très peu changé depuis 1680, un endroit où on mange trois fois par jour, il y a aussi du mobilier qui date de fort longtemps. Par exemple, la table ici, pas le dessus, mais les pattes, datent de l'époque des Récollets. Ensuite, la chaise ici tressée, eh bien, c'est des chaises qui sont utilisées depuis fort longtemps. Et à l'époque, on rembourrait l'intérieur des chaises avec du foin de mer. Et on a encore des sœurs aujourd'hui qui savent maintenant encore comment faire. Le réfectoire des Récollets était à peu près aux deux tiers de l'espace que nous avons ici. Il y avait une partie cuisine et une partie boulangerie. Quand les sœurs sont arrivées, quand la communauté a grandi, on a déplacé les fonctions, on a agrandi le réfectoire, mais les sœurs ont eu cette habileté, cette vision de faire en sorte que les boiseries de l'époque soient imitées et répétées pour que l'ensemble reste cohérent. Donc, c'est magnifique ici parce qu'il y a eu des moments importants de l'histoire du pays qui se sont déroulés ici. On peut penser qu'à l'époque, Frontenac venait ici parce qu'il avait lui-même une maison sur le site, que les grands de dirigeants, Jean Talon et tous ceux sont venus ici parce que quand ils venaient visiter les Récollets, c'était l'endroit pour les recevoir. Si un lieu a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui dans l'état actuel, c'est parce qu'il a réussi à s'adapter. Parce qu'avec la communauté qui a grandi, avec les habitudes de vie, les habitudes de la communauté au niveau des repas, au niveau aussi des horaires, ben, la communauté et le bâtiment s'adaptent. Et puis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on retrouve encore le temps de repas ici, c'est parce que justement, les sœurs ont pu adapter leur lieu et y installer une cuisine. Nous sommes au carrefour du monastère, l'endroit le plus passant qui nous conduit ou au réfectoire, à l'église, aux étages, dans les salles de la communauté. Alors ici, c'est un lieu important, un lieu où se croisent les sœurs qui vont ou bien à leurs activités, au travail ou à la prière. Dans le lieu ici, on trouve le vestiaire où les sœurs autrefois accrochaient leur manteau de chœur, c'est-à-dire elles avaient un manteau qu'elles revêtaient pour aller prier au chœur. Et donc, elles passaient ici, prenaient le manteau et allaient au chœur. On a l'escalier aussi qui accède à l'étage au-dessus. C'est une section du bâtiment qui date de l'époque des Récollets. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose d'important aux yeux de la communauté, la statuette de Notre-Dame de protection. Au pied de l'escalier du carrefour, on retrouve une statuette de 22 cm en bois, toute simple, de la Vierge et l'Enfant.
Mais cette statuette a une très grande importance dans l'histoire des Augustines, non seulement ici de l'Hôpital Général, mais d'abord avec celle de l'Hôtel-Dieu de Québec. C'est une statuette qui a été apportée par Catherine de Saint-Augustin en 1648, qui venait du monastère de Bayeux, en France, une statuette qu'elle a apportée avec elle dans ses bagages, qui lui avait été offerte par ses grands-parents. Elle a apporté cette statuette, qu'on a appelée à l'époque la Vierge de Buis, parce que le bois utilisé pour la sculpter, c'est du buis. Et elle l'a gardée avec elle, donc, à l'Hôtel-Dieu. Mais Catherine de Saint-Augustin est devenue une figure importante dans l'histoire spirituelle des Augustines et de l'Église catholique. La statuette qu'elle avait apportée a pris une importance aussi grâce à cette importance qu'elle-même avait prise. À son décès, les sœurs de l'Hôtel-Dieu ont gardé la statuette bien précieusement, mais lorsqu'elles ont été appelées à venir fonder l'Hôpital Général en 1693, elles ont amené avec elles la statuette qui est devenue pour elles la statuette de Notre-Dame de fondation. Donc, elles viennent, elles s'installent, elles prennent possession des lieux, elles transforment progressivement le lieu en hôpital et en monastère pour leurs propres besoins. Et la statuette prend donc cette importance, elle la porte en procession avec Monseigneur de Saint-Vallier pour le premier temps de prière des Augustines ici. Et ensuite, elle occupe un lieu de prière au cœur du monastère. Au 19e siècle, la statuette prend une nouvelle fonction, disons, une importance nouvelle qui devient Notre-Dame de protection. C'est-à-dire que pour les sœurs, cette statuette représentait un appel à la protection divine et il y a eu des grands incendies dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur et à l'époque, on transportait la statuette dans l'ensemble du monastère, l'hôpital, pour appeler la protection de Dieu sur le bâtiment. Donc, c'est devenu Notre-Dame de protection et dans la culture populaire, dans la foi des gens, Notre-Dame de protection a pris une grande importance. Au 19e siècle, au début du 20e siècle, on a imprimé des images de cette statuette que les gens avaient chez eux et qu'on pouvait ainsi invoquer la protection divine sur la maison et tout ça. Alors, au début de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la guerre commençait en Europe, les Augustines ont fait imprimer des images de Notre-Dame de protection et on dit qu'elles ont installé au-dessus de toutes les portes dans le monastère. Elles ont installé ainsi 748 images et puis le lieu a été protégé contre la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans une aile de la communauté, c'est-à-dire un prolongement du monastère d'origine. Alors, les Récollets ont construit en 1680, les sœurs se sont installées et tranquillement, elles ont progressé dans l'agrandissement de leur lieu de vie. Donc, on est dans une aile qui a été construite en 1737. À cette époque, la communauté s'agrandit, les besoins de la population aussi, et arrive un événement important, celui de la guerre de 7 ans, qui finira par la conquête du pays par les Anglais. Ici, à l'Hôpital Général, on l'ignore peut-être, mais ce fut un des endroits importants de cette bataille parce que c'est ici qu'étaient soignés les soldats anglais, français, les miliciens, les autochtones, tous ceux qui combattaient, qui étaient blessés, étaient amenés ici. Donc, dès 1759, au cours de l'été, dès juillet, commencent à affluer ici des militaires blessés. À la bataille des Plaines d'Abraham, donc le 13 septembre 1759, à la suite de la bataille, tous ceux qui sont blessés sont amenés ici. Ils sont nombreux, très nombreux, et dans un mauvais état. Alors, les sœurs, évidemment, mettent les soldats, les blessés un peu partout. Alors, on peut imaginer très bien, dans le corridor ici, plusieurs blessés étendus sur la paille, quelle que soit leur origine, s'ils se combattaient sur les plaines d'Abraham, rendus ici, étaient tous soignés de la même manière, un à côté de l'autre. Alors, les sœurs ont pris soin. Il y avait ici aussi, à l'abri des bombardements de la Haute-Ville, il y avait aussi les Ursulines qui étaient venues rejoindre les Augustines d'ici et les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Donc, il y avait trois communautés de sœurs qui prenaient soin des blessés. Évidemment, dans un contexte très difficile, on dit qu'il y avait vraiment comme un embouteillage là, de nombreux un peu partout. On peut penser aussi aux manières qu'on soignait les gens par amputation.
Donc, ça n'a pas été simple et ça a été un lieu de grande humanité pour les combattants qui se sont rendus compte qu'ici, on pouvait prendre soin des gens, même s'ils étaient ennemis sur le champ de bataille. Alors, durant tout l'automne, on prend soin des malades, des blessés, plusieurs meurent. Malheureusement, les soins étaient plutôt rudimentaires. Et au printemps, on le sait, il y a eu une autre bataille pendant cette guerre, la bataille de Sainte-Foy, en avril. Et cette bataille amène encore une fois beaucoup de blessés, encore davantage, parce que la bataille a duré plus longtemps et parce que la bataille a été plus... Il y a eu plus de corps à corps, de batailles difficiles, des gens qui ont été amenés ici, encore une fois, dans le même contexte. Le lieu a été décrété par les autorités, par les généraux, un lieu qu'on appelait de sauvegarde, c'est-à-dire qu'ici, c'était un espace neutre, si on peut dire. Alors, il y avait donc ici les tractations entre les généraux français, anglais. C'est ici qu'on faisait les échanges de prisonniers, qu'on négociait, par exemple, l'alimentation, les soins à apporter aux prisonniers. Donc, c'était un lieu important pendant la guerre parce qu'il était à l'écart des bombardements. Donc, il y a eu quelques boulets qui se sont rendus jusqu'ici, mais c'est presque un hasard parce que, évidemment, les bombardements se concentraient sur la haute ville. On a ici des documents extraordinaires, magnifiques, qui racontent cette histoire des registres dans lesquels les sœurs ont fait inscrire les noms des combattants qui sont décédés ici, qui ont été apportés dans les cimetières ici à côté. Alors, je trouve extraordinaire de pouvoir vous montrer aujourd'hui des extraits de ce registre qu'on va pouvoir regarder ensemble et ça nous permet ensuite de porter la mémoire de ceux qui ont combattu et de faire des recherches et créer des lieux de mémoire dans le cimetière des Augustines. J'ai ici le registre dans lequel sont inscrits les sépultures des combattants de la guerre de conquête. J'ai pensé vous lire des extraits de trois sépultures pour vous illustrer un peu l'ambiance qui devait régner ici, le contexte dans lequel se sont faits les soins et aussi les inhumations. On en a un premier ici, qui est un milicien. On dit « L'an 1759, le 14 septembre, a été inhumé dans le cimetière de cet hôpital le corps de François Boucher. Selon ce que nous ont rapporté ceux qui l'ont apporté mort, lesquels nous ont dit qu'ils pensaient que c'était le nom de ce Canadien, tué à l'affaire du 13, en foi de quoi j'ai signé Rigouville, prêtre chanoine. » J'en ai choisi un autre ici qui illustre assez bien aussi le contexte. L'an 1759, le 24 octobre, ça veut dire que donc qu'il a été soigné quelques jours ici avant de décéder, a été inhumé dans le cimetière de cet hôpital le corps de M. Pierre Degrave, capitaine au régiment de Guyenne, décédé hier, muni des sacrements de l'Église, en foi de quoi j'ai signé Rigouville, prêtre chanoine. Et ce capitaine était le cousin du marquis de Montcalm. Un troisième extrait que j'aimerais vous lire, qui raconte aussi l'ambiance de ce lieu pendant la guerre de conquête. On est ici dans la bataille de Sainte-Foy. L'an 1760, le 28 et 29 avril, ont été inhumés dans le cimetière de cet hôpital le corps de quelques hommes apportés au dit hôpital expirant après l'affaire du 28 du présent mois, entre les Français et les Anglais. Ce dont le tumulte et l'affluence des blessés n'a pas permis de savoir les noms, en foi de quoi j'ai signé Rigouville, prêtre chanoine. Alors, comme on le voit, ce sont des combattants dont on ignore les noms parce que la bataille a lieu et on ignore qui est amené jusqu'ici. Ils sont donc enterrés à titre anonyme. Nous commençons notre incursion dans le monastère de l'hôpital général par l'église. L'église, qui est le bâtiment le plus ancien du monastère. Quand les Récollets reviennent en 1670, le lieu qu'ils avaient construit une quarantaine d'années auparavant est inhabitable. Les
Le couvent a été utilisé à des fins agricoles, donc entreposage de foin et tout ça par les colons. Donc, ça s'est détérioré pas mal. Les récollets ont été obligés de reconstruire rapidement un couvent. Et ils doivent aussi restaurer leur église. Et l'église dans laquelle nous sommes date de cette époque. Ça veut dire qu'on est dans la plus ancienne église qui a conservé son usage, qui est encore debout, du pays et peut-être même de l'Amérique du Nord. Alors, peu importe, c'est quand même une église très ancienne. Et lorsque les récollets reviennent, parmi eux, il y a le frère Luc, qui est un peintre important de la communauté des récollets, qui avait des talents aussi d'architecte, et un autre constructeur qui s'appelait Anselme Bardou. Alors, le frère Luc redessine l'intérieur, le décor, et une toile qui est ici dans l'église, qui trône au-dessus de l'autel, qui est une Assomption de la Vierge. C'est probablement, en tout cas, une des plus anciennes peintures qui a été faite ici, en Nouvelle-France. Alors, on reconstruit pour les besoins des récollets. Les récollets étaient une communauté franciscaine, donc qui desservait en 1670 l'aumônerie militaire, qui avait aussi un rôle dans les paroisses pour aller donc prêcher dans les paroisses. Quand Monseigneur de Saint-Vallier acquiert le monastère et l'église, les récollets s'installent en Hauteville. Et les Augustines viennent ici pour y instaurer l'hôpital général. Mais le mode d'organisation des récollets et l'organisation des Augustines est différent. Les récollets avaient leur lieu de prière derrière l'autel, derrière le mur sur lequel l'autel est appuyé. Et le lieu dans l'église, c'était pour les fidèles du coin. Les Augustines, pour leur part, ont un lieu de prière qui est plutôt sur le côté de l'église, et l'église elle-même sert à accueillir les résidents de l'hôpital, en bonne partie, donc les gens qui sont hébergés ici, parce que les personnes âgées, les personnes seules, tout ça, viennent ici lorsque c'est le moment de la messe. Donc, il y a comme deux endroits, parce que les Augustines étaient cloîtrées, c'est-à-dire donc que lorsqu'il y avait une messe, elles étaient dans leur secteur, derrière une grille, et les fidèles étaient dans l'église, et on avait un endroit où avait lieu la messe, donc le prêtre était à l'autel, et d'un côté, les fidèles voyaient la messe d'un côté, et de l'autre côté, les sœurs voyaient la même messe, mais sans que les fidèles et les sœurs se voient entre elles et entre eux. On a ici des choses extraordinaires parce qu'on a plusieurs éléments importants de l'histoire de l'art du Québec. Donc, je parlais du frère Luc qui a peint l'Assomption de la Vierge au-dessus de l'autel, qui est une peinture qu'il a fait ici pendant son séjour. Il a été 15 mois ici. Et il a fait d'autres peintures aussi qui sont dans différents endroits, chez les Ursulines, les Augustines, de l'Hôtel-Dieu, dans quelques paroisses. Donc, c'est un peintre important. Ensuite, il est allé en France, il est retourné en France, puis il a continué de peindre dans différentes églises. Il a fait une œuvre importante. On a aussi ici des toiles assez particulières parce que, à cause du programme pictural de ces peintures, c'est Mère Mofis qui était une Augustine de l'Hôtel-Dieu, qui à la fin donc, du XVIIe siècle, qui a peint des peintures pour décorer les lambris de l'église. Mais l'intérêt, c'est que c'est des motifs profanes, c'est-à-dire donc des paysages, des villages, des villes plus ou moins identifiables, mais quand même, donc, ce n'est pas un univers religieux, ce n'est pas un univers biblique, c'est donc comme un décor qui entoure l'ensemble de l'église. C'est assez particulier. On retrouve aussi des toiles importantes qui ont été faites par Joseph Légaré, notamment, et puis des vitraux, donc un ensemble de sculptures, de peintures, le Père éternel aussi, qui est une œuvre intéressante, qui surplombe l'ensemble du retable, qui était fait en 1697. Quelqu'un ici qui s'intéresse à l'histoire de l'art fait vraiment un parcours des tout débuts de l'histoire religieuse, de la peinture religieuse et de la sculpture, l'orfèvrerie aussi, donc des tout débuts jusqu'à aujourd'hui. On a aussi attaché à cette église l'endroit où le lieu de sépulture de Monseigneur de Saint-Vallier. Alors ça, c'est particulier parce que Monseigneur de Saint-Vallier, le deuxième évêque de la Nouvelle-France, donc celui après Monseigneur de Laval, alors Monseigneur de Saint-Vallier
a fondé l'hôpital général. Il était très attaché aux Augustines de l'hôpital général. Il a fait construire un presbytère où lui est demeuré les dernières années de sa vie. Et quand il est décédé, il voulait être inhumé ici, plutôt qu'à la crypte qui est prévue ou à la cathédrale. Donc, c'est le seul évêque du diocèse de Québec depuis les débuts qui n'est pas à la cathédrale, mais bien ici, dans le mausolée qui est tout près. Et pour les Augustines, la figure de Monseigneur de Saint-Vallier est importante, est vraiment fondateur, mais aussi un inspirateur de l'hôpital général. Alors donc, on a ici une histoire extraordinaire et on trouve un aspect que je voudrais vous montrer maintenant, qui a un caractère un peu inusité parce qu'il a été découvert assez récemment. En 1982, les Augustines commandent des travaux importants à leur église. Des travaux de structure, des travaux de revêtement, de boiserie. Et les ouvriers, les architectes qui travaillent sur le dossier se rendent compte que le mur, qu'on appelle le mur derrière le retable, s'affaisse. Et c'est un mur très ancien, d'origine de l'église, et il faut, pour réussir à le consolider, à défaire tout le retable qu'on voit ici. Donc, les colonnes, les boiseries, enlever les peintures, les sculptures, l'autel, et donc on dénude complètement le mur pour pouvoir aller y travailler. Et là, les ouvriers font une découverte inattendue. Les Augustines ignoraient l'existence. C'est un autel en pierre de maçonnerie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un autel qui fait toute la profondeur, qui fait toute la hauteur, donc une pièce importante de pierre calcaire, de pierre de Beauport et de pierre du Cap de Diamant. Et il était crépi, donc il était couvert de crépi, et on l'a enlevé le crépi, et ils ont découvert cet autel, dans lequel il y a un trou, on voit un trou en bas, où la tradition voulait qu'on mettait des reliques. Alors, c'est une très, très ancienne façon de faire des autels, qu'on ne fait plus aujourd'hui, même depuis fort longtemps. Un autel complètement massif comme celui-là, on en connaît peu, pas en fait, au Québec. Il y en avait à l'époque chez les Ursulines, on en a trouvé des traces, à la cathédrale de Québec, on en a trouvé des traces aussi. Mais un qui soit encore dans son état d'origine, qui soit encore en usage même, ben voilà, c'est le seul qu'on connaît. Peut-être qu'il y en a-t-il d'autres, il faudra les découvrir. Alors, les sœurs ignoraient son existence parce qu'il était complètement couvert d'un coffrage de bois et il l'avait toujours utilisé sans avoir à ouvrir à l'intérieur. Alors, c'est pour nous, ça fait partie des mystères de ce monastère, de retrouver à l'occasion de travaux des aspects qu'on ignorait de ce monastère, puis qui nous permet de mieux comprendre comment, à l'origine, donc à l'époque des Récollets, dans ce cas-ci, on pouvait concevoir un autel dans nos églises, dans une église comme ici. Nous sommes dans le cœur des religieuses, c'est-à-dire l'endroit où les sœurs viennent prier à quelques heures durant la journée pour les offices de la liturgie des communautés et aussi pour la messe. Alors, elles sont assises dans les bancs derrière moi et voient la messe qui est dite dans l'église, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, ce lieu de prière est un lieu important, un lieu qui a été utilisé par les Augustines depuis leur arrivée. Le bâtiment dans lequel nous sommes, lui, est plus récent. Il date de 1960 parce que le chœur qui était là depuis l'origine n'était plus en état d'être utilisé. Il a été remplacé par celui-ci. Je voudrais attirer votre attention sur un aspect qui est présent dans ce chœur depuis les tout débuts. Et je vais utiliser un texte qui a été publié au 19e siècle par une des sœurs qui s'appelait Ellen O'Reilly, qui raconte l'arrivée de la Madone du prisonnier, avec en prime le langage du 19e siècle. Monseigneur de Saint-Vallier, visitant un jour la prison de Québec, trouva parmi les détenus un homme qui, placé devant un bloc de bois haut de 4 à 5 pieds, sans autre outil qu'un couteau, s'occupait de sculpter une statue de la Sainte Vierge. Et sans doute, l'humble ouvrier, tout en se livrant ainsi au travail de son choix, élevait souvent son cœur et sa pensée avec repentir et confiance vers celle qu'on n'invoque jamais en vain. Ravi de ce spectacle et des pieux sentiments qu'il reconnut dans le pauvre détenu, le prélat convint avec lui
que l'image, une fois terminée, appartiendrait à l'évêque. Bien plus, par son crédit auprès des magistrats, il obtint l'élargissement du statuaire. Placé d'abord au palais épiscopal, la Madone du prisonnier ne devint la propriété de nos mères qu'après la mort de Monseigneur de Saint-Vallier. Elle fut apportée ici dans le cours de l'année 1728. Les religieuses allèrent la recevoir à la porte conventuelle et la portèrent processionnellement au cœur en chantant le Sub Tuum. Elles le déposèrent à droite de la grille et l'entourèrent de flambeaux, puis, tombant à ses pieds, toutes les saluèrent comme la mère du bel amour et la douce consolatrice des cœurs affligés, la conjurant de les prendre sous sa puissante protection. Alors, ce qui est extraordinaire dans un endroit qui a plus de 300 ans, c'est de voir une statue qui est arrivée dans le contexte qu'on vient de raconter et qui est encore au même endroit depuis presque 300 ans, c'est-à-dire à droite de la grille, dans le cœur, avec des flambeaux qui, certes, sont devenus électriques plutôt qu'à l'époque, et les sœurs ont ajouté des couronnes sur la Vierge et sur l'enfant, mais cette Madone est ici depuis les tout débuts. Quand les sœurs ont reconstruit le cœur, elles ont remis la Madone au même endroit. Voilà la magie d'un endroit comme ici. Nous sommes dans les combles de l'église, c'est-à-dire là où la charpente tient le toit, juste au-dessus de la voûte qui est donc le plafond de l'église. Sous nos pieds, c'est l'église. Et on est vraiment dans une partie qui est structurée pour faire former la voûte. Mais on est dans une charpente très ancienne, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'église elle-même est la plus ancienne que nous connaissions. Alors, quand les récollets reviennent, on le dit dans les livres d'histoire, ils reviennent en 1670 et reconstruisent l'église. Donc, ça voudrait dire que la charpente qui est ici date de cette époque. Alors, c'est intéressant de regarder comment est faite la charpente, parce qu'on voit bien comment les hommes travaillaient à cette époque. Et les récollets tenaient à ce que les choses soient bien faites, soient solides, et eux-mêmes étaient souvent des ouvriers, et faisaient venir des ouvriers de France pour construire quelque chose qui durerait, qui traverserait les siècles. Alors, on trouve la manière que fonctionnaient les ouvriers, on taillait les pièces, on les taillait en bonne longueur, on les taillait à l'herminette ou à la hache pour en faire donc les carrés, et on marquait au sol leur numéro et l'orientation de la pièce. Donc, c'est comme si on fait un casse-tête, on met toutes les pièces à terre, on leur met un numéro. On donne l'orientation aussi dans quel sens elle va. Et comme ça, on monte pièce par pièce et on reconstruit en haut ce qu'on avait à assembler en bas. Alors, pour vous donner un peu une idée, on trouve ici une marque d'orientation. On voit ici un V qui permet de savoir dans quel sens va la pièce. Et la pièce suivante, par exemple, on voit un X avec quatre barres qui fait la pièce numéro 14. Voilà donc comment on travaillait, on monte les pièces, on les cheville, et ça tient là depuis 300 ans. Quand on a commencé à investiguer un peu la pièce ici, voir un peu comment les choses étaient faites, le Centre de conservation du Québec est venu voir comment les pièces étaient assemblées, et selon leur analyse, ils sont en mesure de dire que la plus grande partie de l'ensemble est authentique, c'est-à-dire qu'il est là depuis les origines. Certes, au bout, l'église a été agrandie, il y a eu un déplacement de clocher, mais pour l'essentiel, la structure est la même depuis son origine. On a fait aussi une analyse des pièces pour voir, essayer de les dater. Alors, c'est un travail d'archéologue qui sont en mesure de vérifier en quelle année un arbre a été abattu pour devenir une pièce de charpente. Alors, ils sont venus, ont fait cette analyse, et ils ont découvert que les pièces en pin, donc l'arbre était un pin, dataient de 1618. Alors, ça remet en cause toute notre connaissance de ce bâtiment en se disant, mais est-ce que c'est 1670 ou est-ce que c'est 1620? Ça voudrait dire que l'église serait 50 ans plus ancienne que ce qu'on a toujours pensé. Alors, pour savoir
essayer d'éclaircir ce mystère, on demande à des archéologues de vérifier en quelle année on peut dater la poutre qui a été installée ici. Alors, de manière que fonctionne la dendrochronologie, c'est de prendre ce qu'on appelle une carotte à l'intérieur d'une pièce de bois, on va jusqu'au cœur de la pièce et on ramène une tige de bois qui a, dans laquelle on retrouve les cercles qu'un arbre peut avoir pour indiquer son âge. Alors, avec la longueur de pièce qu'on a, on se trouve à avoir différentes lignes de différentes dimensions, parce qu'une année où il y a plus de pluie, c'est plus large. Quand c'est plus sec, ça l'est moins. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on est en mesure d'avoir comme un code-barre qui dit un peu, voici cette pièce, son origine. Maintenant, ça nous prend un ensemble de pièces semblables qu'on est capable de dater pour devenir notre référence. C'est-à-dire qu'on les met une au bout de l'autre, puis de 1528 jusqu'à 1985, on a tout un ensemble. Et là, on prend la pièce qu'on a prise dans la pièce de bois et on vient chercher où est-ce qu'elle se situe dans le temps. Alors, c'est comme ça que les archéologues ont pu dire, vous avez ici, toutes les pièces qui sont en pain sont datent de 1618. Sauf que, ici, il y a 8 pièces en pain, puis toutes les autres sont en épinette. Alors, donc, ça ne nous permet pas de dire que l'ensemble daterait de 1620. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de dater les pièces qui sont en épinette. Maintenant, au Québec, dans la région de Québec, on n'a pas le référencement de l'épinette. On n'a pas donc cette longue ligne de temps qui nous permet de situer les carottes d'épinette. Alors, les archéologues actuellement, l'équipe de l'Université Laval en dendrochronologie fait des recherches pour établir cette référence. Et un jour, peut-être, saurons-nous en quelle année, véritablement, la charpente a été construite. Ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on aurait une église qui aurait, elle aussi, 400 ans, comme le site qu'elle occupe. Nous sommes dans le sous-sol de l'aile des Récollets, sous le réfectoire où nous étions tout à l'heure. Donc, forcément, on est dans un endroit où les plafonds sont bas, les grosses poutres qui soutiennent le plancher, la tuyauterie qui passe, les tuyauteries plus récentes que le bâtiment, bien sûr, des murs de pierre très larges pour supporter toute la charge du bâtiment, des murs de pierre qui sont là, donc, depuis 1680. Alors, on est dans un endroit qui, lui, a été utilisé à des fins d'entreposage, généralement, notamment de nourriture, puisque nous sommes sous la cuisine, sous la boulangerie, sous le réfectoire. De l'époque des Récollets, on n'a pas de documents parce que les archives des Récollets ont été détruites en 1796 dans un grand incendie qui a détruit leur couvent qui était en Hauteville à l'époque. Ce qui fait donc qu'on n'a pas de documents qui nous permettent de voir l'achat des matériaux, l'engagement des ouvriers ou des plans anciens. Donc, ce qu'on doit faire quand on veut comprendre un bâtiment comme celui-ci, il faut regarder le résultat des travaux, c'est-à-dire de comment il est fait, son usage, la compréhension des fonctions et à quel usage on pouvait l'utiliser, comment il était construit. Ici, c'est assez simple, un sous-sol, donc c'est un lieu d'entreposage. Mais tout à coup, on arrive devant un massif de pierres et de maçonnerie qui nous intrigue. On a du mal à savoir à quoi pouvait servir un espace comme celui-là, où on a un espace voûté à l'intérieur, où on a une partie qui est arrondie, une structure qui est plus large au sol et se rétrécit vers le haut. Alors, forcément, donc, on se dit, c'est relié à la cuisine, c'est peut-être un puits, c'est peut-être aussi la base d'une cheminée, c'est peut-être... Bon, alors, on se pose des questions. Alors, dans un cas semblable, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie la morphologie, donc, comment il est fait, les matériaux utilisés. On essaie de retrouver dans des bâtiments de la même époque, ici ou en Europe, des espaces semblables pour voir un peu, si on peut comprendre un peu mieux, à quoi sert l'espace d'ici. Parce que les ouvriers que les Récollets ont engagés pour construire leur bâtiment provenaient de France. Et les exemples qu'ils ont utilisés, c'est d'autres couvents qu'eux-mêmes utilisaient là-bas pour les mêmes fins. Donc, une communauté
des lieux de prière, des lieux pour une vie communautaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des similitudes qu'on peut penser, trouver dans d'autres endroits qui, eux, ont peut-être encore des traces de l'origine de ce type de construction. Alors, ça fait partie des mystères d'un monastère aussi ancien qui nous intrigue et qui nous fait trouver cet endroit-là si magnifique. Alors, nous sommes dans le cimetière du monastère, un des cimetières du monastère, parce que la communauté a son cimetière, il y a un lieu d'inhumation sous l'église, il y a le cimetière qu'on appelle le cimetière des pauvres, c'est-à-dire des résidents qui étaient au CHE, dans la résidence des personnes âgées qui ont été enterrées ici, et le cimetière des combattants de la guerre de conquête. En tout, si on a à peu près 5000 sépultures sur le site, mais ceux des combattants de la guerre de conquête, c'est 1058 combattants, des soldats britanniques, français, des miliciens canadiens, des autochtones qui ont été enterrés sur le site ici après avoir été soignés et ceux qui sont décédés ont été enterrés ici. De façon, dans des fosses communes, donc pas des fosses, des sépultures séparées, comme on faisait à l'époque. Et c'est ici, dans ce cimetière, que reposent les combattants. La chance qu'on a ici, dans un lieu comme ici, c'est d'avoir d'un côté les documents d'archives qu'on a lus tout à l'heure, donc les registres dans lesquels on a les noms des combattants décédés, un peu les circonstances aussi. Et ça nous permet d'avoir donc la liste des noms, même leur régiment souvent et tout ça. Et puis, on fait des recherches et on est en mesure de faire l'inventaire de l'ensemble des combattants décédés. Et en 2001, la Commission de la capitale nationale du Québec a créé un espace de mémoire ici, dans le cimetière, où on retrouve d'une part les années de guerre, de la guerre de 7 ans qui ont eu lieu en Amérique, et sur le travé, sur le granit ici, le nom gravé des combattants dont le nom figure dans les registres. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut, grâce aux documents, créer un espace de mémoire pour les générations suivantes. Alors la Commission de la capitale nationale fait cet aménagement ici et une sculpture qui a été conçue par Pascal Archambault qui s'appelle Traverser sans détour, donc un personnage qui en accueille un autre, probablement donc pour figurer le décès. Donc, sur les plaques gravées ici, on retrouve le nom un des personnages dont on a lu la chronologie, la nécrologie plutôt, donc notre ami De Grave, et on a Pierre Boucher aussi. On a aussi les anonymes qui ont été indiqués ici. Voilà donc un espace de mémoire au cœur de la ville qui nous raconte une page importante de notre histoire. Et maintenant, ce n'est pas tout. Montcalm est ici aussi. On va aller voir. Louis-Joseph Marquis de Montcalm commandait les troupes françaises et les miliciens pendant la guerre de conquête et à la bataille des Plaines d'Abraham. Alors, de cette bataille qui a eu lieu le 13 septembre 1759, a vu le décès du commandant de l'armée britannique, qui était James Wolfe. Et Montcalm a été blessé pendant la bataille et il est décédé le lendemain. Il a été amené à la chapelle des Ursulines, en Hauteville, et c'est là, donc, qu'il a été inhumé. À cette période-là, jusqu'à assez récemment, il y a une vingtaine d'années, la Commission de la capitale nationale a aménagé le cimetière commémoratif en 2001, et on a convenu à l'époque qu'il serait bien que le marquis de Montcalm retrouve ses combattants ici, au cimetière de l'hôpital général. Alors, on a aménagé avec le groupe Les Souvenirs français et la Commission de la capitale nationale un mausolée qui se trouve ici derrière moi et où on retrouve les restes donc, du marquis de Montcalm. D'abord, la grille reprend ses armoiries et à l'intérieur se trouve évidemment le tombeau en granit. On retrouve aussi les écussons des régiments qu'il a commandés. Et en 2004, un membre de sa famille a apporté une pierre provenant du château de Saint-Véran, qui est le château familial des Montcalm, et un peu de terre de sa terre natale.
Donc, on retrouve ça ici. Alors, c'est tout simple, mais c'est quand même touchant de voir que le marquis de Montcalm repose maintenant auprès de ses combattants ici à l'hôpital général. C'est ce qui conclut notre brève incursion au monastère de l'hôpital général. Merci de votre présence et de votre intérêt.